qui passera, qui n'est pas éternel. Tel que tu es là. Il y a eu une période où c'était tes parents. Aujourd'hui, c'est toi et tes enfants. Le lendemain, tu seras aussi vieux, vieille. Et ça sera aussi le tour de tes enfants. Ne te soyez pas comme au matin, au quitta, au côté de l'éternelité. Amen. Un jour, ta femme dit, papa, nous sommes tous les produits. Nous sommes tous les produits. Mais regardez d'autres, regardez, regardez.
nation mususu. Les indiens sont ici. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui, dans ce cas-là, village monté, ils mettent leurs efforts ensemble et ils avancent. Congolais, c'est seulement détruire son frère, détruire sa sœur. Muninga ça la salon de coiffure, il faut aller au Tonga, au pauvre Muninga pas au tété. À ça la boutique, faut critiquer la gueule de vos sœurs, les quoi bonga. Ils sont des pays où va misé en Amérique. Congolais, madame, va misé étranger qui est démonaillé. Après, on va dire l'église, mais t'es ma bébé. N'a pas de temps à faire, mais t'es ma bébé. T'es ma bébé, c'est pourquoi on n'avance pas. Avec toute la grâce de Dieu qu'on a, Congolais, tous les amis, nous avons la grâce même à côté. Grâce à Dieu, je suis là pour l'église. Mais avance, attendez. Tu n'as pas piqué, vous. Tu n'as pas bien. Mais voilà, attendez. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de monde, tu n'as pas de monde entier. Il y a des gens qui ont voulu un centre commercial. Et ma canaille, ma zana, ma ligérée, ma zana, y'a plus de congolais. Congolais, madame Souka, dati, la robette, la maman dit mange au vert, vert. On est en bas. On est au franc, des fois, il est en toi, Souka. Aïe, la talon, je vais te dire, toi, allez, il est au franc. On va s'en, on va s'en tirer. Mais mon tableau, c'est le loco. Maman n'a pas besoin de te quitter. Maman, tu as dit que tu as fini. Pourquoi tu as fini? Tu as fini. 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 Je suis un pasteur de la diaspora. Je connais chaque 2-3 semaines, je suis dans l'avion. Je connais votre vie. On dirait de vivre en Abidjan. Oui. Oui. Ils étaient tous des justes devant Dieu. Ce qu'on m'a dit, moi, c'est Nayo. Est-ce que vous êtes juste? Moi, c'est Pétou de Mouvelle. Est-ce que vous êtes juste? Moi, c'est Pétou de Mouvelle. Nan a baby sa konsala nan zan. Mbali kwa tono mwasi. Antre nga na yo nan a bongaka. Amen. Toku nan a leyo. Nan ni a bongaka. Anda kuna bisu. Nga kata tona ko. Koba. Aso ete yo ter a ter. Jine ni santi te jip. Ete ter a ter. Tu ve la prophétie. La révélation. Les deux athées. Quand il y a vie, il y a ma bouche au salon à Dieu. Qu'on a pas voulu tout mon corps. Amen. Ce que vous changez dans ma campagne, notre communauté ira aussi de là-bas. Et Dieu va nous bénir. Ton nom est Péming. Exemple, nous sommes même comme les Congolais. Amen, Église. Bisous, tout ennemi. Vous avez un peu de temps, tout benga. Oh, peut-être, yo y a un peu de temps, yo peu de temps. Il y benga. Ambassadeur. Tant à bisous, benga, ambassadeur. Le commandant du temple de la Seka Kalembelem, le pasteur François Mouton, ce qu'on a poussé, c'est un bête,
Amen, Église. Amen. Je vous présente, c'est le pasteur François Mutombo, voici là. Amen. Le commandant du temple de la Sekaka Limene. Amen. 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 C'est l'initiateur de JBB. Groupe d'intercession pour vous. Calamini fait ton office. Amen, Église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il est au milieu de nous. Après le quitte, si vous voulez le voir, il sera au bureau pour recevoir. S'il n'y a pas de personne, il s'en va demain. Amen. 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 Vous avez votre cas, c'est aujourd'hui. Il faut le voir aujourd'hui, ce soir. Après le quitte, nous serons au bureau, il va recevoir l'un après l'autre. Amen. Amen, amen, Église. Amen. Est-ce qu'il y a un pasteur au milieu de nous ici? Il y a un pasteur ici. Je vous présente rapidement le pasteur Denis Ngalemouloume de l'ASECA Atlanta. Le commandant du temple est ici. Il s'est déplacé aussi. Il est parmi nous. Lui vient d'Atlanta, ASECA Atlanta. Il a conduit plus de 12 heures avec la voiture. Il n'est pas seul. Il est accompagné par les serviteurs de Dieu. Ils sont là, au milieu de nous. Ils vont se présenter après. Nous passons maintenant le micro au commandant du temple. Que Dieu te bénisse. Que ce qui soit un kit de bénédiction pour ta famille et pour le reste de ta génération au nom puissant de Jésus. Acclamons pour le roi des rois. J'aurais annoncé les bénédictions pour vous qualifier autrement, mais c'est une surprise. Ce qui fait que là où il y a l'église, je ne vais pas passer tout un dimanche comme ça. Et surtout qu'il y a les enfants de Dieu ici, sans pour autant partager avec vous, avec ceux de la place, peut-être la nourriture, la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, on est là devant vous, nous allons partager, et puisque pendant quelques minutes, la parole de Dieu, selon la grâce qui nous a été faite. Amen. Amen. Je crois que je suis venu pour un but précis. Amen. Amen. C'était d'abord faire certaines formalités, payer la salle et faire autre chose, puisque dans la vie que Dieu nous a donné, nous allons organiser une conférence ici à Texas au mois de juillet. Amen. Qui va prendre 4 jours et sera dénommé la fête des Juifs première édition. Amen. Et s'il vous plaît, supportez-moi, j'ai déjà demandé des excuses. Je voulais le faire dans un cadre purement neutre. Je ne voulais pas que ce qu'il y a, souvent les gens veulent faire des choses. Nous voulons d'abord que ça soit un cadre neutre qui ne prend pas la place de l'église. D'abord, pour attirer tout le monde. Que tout le monde se sente d'abord à l'aise. Et du moins, cela n'empêche pas que quand on est là, on sait que nous, nous sommes de telles et telles communautés, mais il faut toujours des stratégies pour évangéliser. C'est dans ce cadre-là. Amen. Et c'est ce qui fait que lors de cette manifestation,
vous aurez à recevoir à tenir ici une telle forte délégation de ceux qui viendront de Kinshasa. Je crois que plus de 3000 personnes qui veulent venir. Mais on ne va pas mener tout le monde. L'ambassade ne nous appartient pas. Tant bien même, nous allons donner certaines garanties à l'ambassade. Et nous demanderons même au gouvernement de nous accompagner pour donner à l'ambassade, pour qu'on nous donne des visas pour ceux qui viennent venir, le plus des responsables, les gens qui vont venir pour les tourner. Pas les gens qui vont fuir dans la nuit et nous laisser la chambre vide. Ah, c'est pourquoi je ne suis pas un pasteur qui amène des roules pour que tu dises à ton frère, voici le mauvais amener les gens, aller déposer la petite sœur. Je ne suis pas là pour ça. Et je ne vends pas aussi des billets pour ça. Oh non, papa, qu'est-ce qu'il faut, combien il faut donner? Je ne suis pas là. Je ne suis pas un commerçant dans ce sens-là. Je suis un pasteur. Je voudrais accomplir ma vision. Amen. Ça sera dans le cadre de voici l'homme mission. C'est une nouvelle vision qu'il nous a donnée. Je crois qu'on aura le temps d'expliquer ça. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons passer à la parole de Dieu. Je vais demander qu'on nous lise la Bible. Est-ce qu'on peut s'éteindre devant? Si vous n'écoutez pas très bien le décalage, je vous demanderai de vous mettre à côté de quelqu'un qui peut vous aider. Parce que des fois, je vais préférer être plus bilingue. Amen. Parce que des fois, quand on prêche en lingala, il y a certaines personnes qui sentent qu'on a prêché. Quand vous prêchez en français pour lui, comme s'il était dans un culte de blanc. Papa, il y a une différence. C'est comme on dirait qu'il y a une famille. Il faut sentir le roi. Le roi 4. Pour ça, les sang bouge. Sentir, en tout cas, l'allié. En tout cas, le monde est quand on a un voyage. Amen. Amen. Vous savez, un jour j'étais en Allemagne, j'ai prêché à peu près 15 minutes. Il y avait une maman là devant, elle me regardait toujours comme ça. Oh, mais je ne comprenais rien. Quand j'ai fait seulement, et les gens font, ah, ça y est, ça y est, il y a seul. Oh. Mais depuis lors, bon, il y était. C'est là où il est. Amen. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du 5e verset. Demain, je serai à Atlanta. Je prends mon vol demain, 16h, 17h. Je vais passer à Atlanta. Oui. Normalement, cette conférence devait se tenir à Atlanta. Comme c'est la première fois, on a demandé que ça soit ici. On verra où c'est prochain. Mais la vision était d'abord à Atlanta. Comme c'est le centre. Ici, Atlanta, ce n'est pas le centre. C'est Texas qui est le centre. Oui. Selon vous. Oui. Mais si vous voyez le calendrier, c'est Atlanta, le centre. Amen. Amen. Luc chapitre 1er, à partir du 5e verset. Okay. Luc chapitre 1er au 25e verset. Luc chapitre 1er, à partir du 5e verset. Luc chapitre 1er, du 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, na eleko ya Hérode, roi de Judée, mokonzi ya Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et Zalaka na nganga nzambe moko na kombo ya Zacharie. De la classe d'Abia. Ya famille ya Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Moi, si naïe, avec mon kitani, yaba Aaron. Et s'appelait Elisabeth. Comme naïe, Isalaka Elisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu. Baroni Bali, Bazala qui s'aime, il observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile.
azalaka na bana te parce que Elisabeth azalaka et komba et il était l'un et l'autre avancé en âge bazalaka moko pe mosusu basiba nona. Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu nzoka na tango bazalaki ko sala kusala na nzambe bazo sala bazo tosa mukumba na bango liboso na nzambe selon le tour de sa classe ola misa na ndenge batielaki yango. Il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. À entrer dans le temple du Seigneur. Pour offrir le parfum. Parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et le voyant sans parler. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et un allégresse pour plusieurs. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin. Il Amen. Ce qui peut être ma toi pendant 25 minutes pour perdre le pendant 25 minutes seulement. Amen. Bible dit que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiel. Il dit du temps d'Hérode, roi de Judée. En d'autres français, à l'époque d'Hérode. Ça veut dire quoi? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui connaît lire les temps et les époques. S'il vous plaît, ce temps ici, cette époque, c'est pour nous. Amen. Et après toi, ce ne sera pas toi. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi dans la vie, il faut apprendre à profiter de votre temps. Il faut apprendre à profiter de votre temps. Ici aux États-Unis, il y avait l'époque où c'était, si un homme de Dieu doit venir, c'était le pasteur Moïse. Amen. Le pasteur Sonic Futuro, mais là, qui pouvait connaître, voici l'homme, n'était rien là. Mais les époques changent. Les hommes passent. Mais Dieu reste. Aujourd'hui, nous qui étions de, je ne sais pas comment je peux me qualifier cela, qui pouvait penser à nous. Et aujourd'hui, quand vous passez aussi, les gens, ah, voici le revenu. C'est une époque qui passera, qui n'est pas éternelle. Tel que tu es là. Il y a eu une période où c'était tes parents. Aujourd'hui, c'est toi et tes enfants. Le lendemain, tu seras aussi vieux, vieille. Et ça sera aussi le tour de tes enfants. Ne te soyez pas. Au matin, au quitta, au côté de l'éternelité. Amen. Un jour, ta femme dit, que tu n'as pas observé mal en tout. Papa, tu n'as pas ce qui est comme tu as produit. Tu n'as pas ce qui est comme tu as produit. Mais il faut que tu aies une vérité. Tu n'as pas ce qui est comme tu as produit.
Oh papa, ce que nous avons commis, mais mal on sait quand même. Ah papa, on sait quoi là. Je veux me dire que je vais monter mes os soins. Je vais donner des lignes à Gokol. Parce qu'après, Gokol, c'est la mort. Papa, il dit que nous avons déjà que nous avons qu'il. Tellement que soit qu'il y a un but, il faut nous répondre là-bas. On appelle les gens, mais on est au télé. Nous sommes au col. Quand l'État vous est balayé, que t'en es au milieu. C'est que nous payons. Vous avez un jour pour vous commander. Bien sûr, même vous, quand vous soufflez, vous dites, voici le mot, collé. Vous voyez, on est au télé. Attends, il faut que vous en avez la vérité. Ça colle. Colico. Il y a un peu de col. Ils sont bien sûr. Quand la tête est au léga. Parce que nous sommes sûrs. Mais t'as pas bon. Est-ce que nous avons été pourquoi nous avons des paroles à envoyer dans le pays en tant que nous avons posé l'extra. Nous avons été en train de faire. Amen. Du temps des rois de roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Il y avait un homme de Dieu nommé Zacharie. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Je vais aussi dire quelque chose. On dit sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Quand on dit de la classe d'Abia, ça veut dire quoi? Suivez-moi bien, moi j'aime décortiquer les écritures. Je ne veux pas laisser quelque chose en suspens. Quand on dit de la classe d'Abia, ça veut dire quoi? En Israël, Israël comme nation, il est composé de 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. C'est l'unique tribu de où Dieu avait pris fait alliance. C'est là qu'il prenait les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu en Israël si tu n'es pas de la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, donc tous les Lévites, tous les mâles, les vites étaient considérés comme devaient servir Dieu au temple. Mais parmi tous les Lévites, Dieu est allé pour choisir une famille qu'on appelle la famille d'Aaron. Et c'est là qu'il prenait les sacrificateurs. Tout sacrificateur est Lévite, mais tout Lévite n'est pas sacrificateur. Je peux reprendre. Tout sacrificateur était lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Pourquoi? Parce que sacrificateur était de la famille d'Aaron. Aaron était de la tribu de Lévi. Tandis que tous les lévites n'étaient pas de la famille d'Aaron. C'est pourquoi tout lévite n'est pas sacrificateur, mais tout sacrificateur est lévite. C'est clair? Je peux avancer. Dieu avait pris Aaron, lui seul, et ses enfants, les garçons seulement. J'avais fait alliance avec lui, c'était lui qui devait être sacrificateur, qui devait présenter les sacrifices. Quand on dit sacrificateur, c'est par rapport au sacrifice. C'était lui qui pouvait brûler, monter sur l'autel pour présenter les sacrifices. Mais tous les autres lévites pouvaient arranger le temple, arranger l'arche de l'alliance, arranger d'autres choses, mais ils ne pouvaient pas monter à l'autel. Pour monter à l'autel, pour brûler les parfums, soit présenter les sacrifices, il fallait seulement être sacrificateur, c'est-à-dire descendant d'Aaron. Je crois que c'est clair. Maintenant, il y a Aaron, il y a ses enfants, les garçons seulement, à qui il avait donné l'ordre de présenter les sacrifices. Et ils avaient aussi une défense, ils ne pouvaient pas travailler, ils ne devaient vivre que de l'autel. Maintenant, Aaron n'a pas un aïe. Admettons, Abotiba dans le niveau 5. Il y a un abanne 5. Temple mort. Ce n'est pas au sein de quoi c'est suffit. Après demain, Aaron a couffé. A tribal. Bane ne peut pas aller au Botibal. Bane ne peut pas Botibal. Bane abanne au Botibal. Ce qui passe 5, après des générations, il peut se retrouver comme 400. Et le premier souhait bélé, bon, bande pour les dans tel temple de Guinée, ôter les armes aux 400. Au Bandoué, puisque tout le monde vivait et de ça.
C'est ce qu'on appelait de la classe d'Abia. Maintenant, pour qu'il monte à l'hôtel, on devait commencer à tirer au sort. On fait des papiers, on écrit les noms de tous les ancêtres de la famille, tous les enfants descendants d'Aaron. On lance comme ça, on dit, quand on ramasse, si c'est le nom de votre grand-père qui sort, c'est que cette semaine-là, vous, de la lignée de tel, c'est vous qui allez avoir accès à l'hôtel. Les autres doivent vous attendre. L'autre semaine, on va encore tirer. C'était comme ça qu'ils travaillaient. Pour qu'il y ait de l'ordre. Car Dieu, c'était Dieu d'ordre. Amen. Dieu n'aime pas les désordres. Même l'église va être organisée. Hein? L'église des enfants, il y a un mardi, frère Benoît de Omodéré. Il faut aussi faire un salat avant. Il faut aussi faire un modéré. Vous allez pas surpris, papa, il nous modérer les lotés. Surtout, il y a un mot comme ça. Faut déjà tout le temps, à la veille, et tel jour, on a des noms. Parce qu'il prend toutes les dispositions pour ne pas surcharger le pasteur. Alors, bien, ma belle. Oui. Peu à tout le monde, il faut modérer. Il faut que nous toujours modérer, parce que c'est l'homme qui a bien. Après, vous avez besoin d'aller ça. Mais quand vous m'avez trouvé, vous avez dit en colo. Colo, mon ami. On n'est pas des religieux, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des religieux. Il faut quand on prie, on sent qu'on a prié. Dieu avait mis l'ordre pour ça. Là où il y a Dieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et chaque ordre doit être respecté. On vous a aligné pour modérer, pour exhorter. Tu ne viens pas. Demain, tu vas encore qu'on puisse vous aligner. Ça, c'est le désordre. Tu ne respectes ta femme dans 8 mois pour y en attendre. Que Dieu bénisse quelqu'un. On dit un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Vous avez compris quand on dit classe, ça dit famille, ça dit lignée. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Oh, mais chez vous, je me pose encore une question, papa JP. Le moment ici, on parle de l'homme de Dieu, Zacharie, qui était sacrificateur. Du moins, nous savons qu'il était marié. Le nom de sa femme, c'était Élisabeth. Mais pourquoi on doit aussi nous montrer la famille de sa femme? Sa femme était entre les filles d'Aaron. Ça vient faire quoi? Il y a quelque chose. La Bible ne peut pas signaler quelque chose en vain comme ça, non. Vous savez, la Bible, c'est un livre très précieux. On ne peut pas faire inscrire ton nom dans la Bible si ton nom n'a pas joué un rôle. Même si on veut quelque chose. Mais comment il y a une femme de sous-entendant des rôles,
moi c'est à païen. Na on va aller continuer la Bible. Moi c'est à apôtre, on va continuer. So tout n'a pas ce pour quoi y'a jamais le côté que nous allons aller sous un tendant de l'autre côté. Sous un tendant de l'autre n'avait jamais suivi Jésus. C'était sa femme qui avait suivi Jésus. Mais le nom du mari vient faire quoi? Et pourtant Pierre a suivi Jésus, mais le nom de sa femme n'est pas entré. Seulement sous un là-bas, intendant de l'autre, son nom est entré. Lui qui était païen. Et vous savez, Dieu voit l'importance. Sous un là, intendant de l'autre, sa femme, Jeanne, la Bible dit, elle soutenait Jésus de ses pieds. Amen. Bah bien aille pelé et ça l'avancement ministère à Jésus. Donc on dit que moi c'est animal. Pour y en a un bon va pèse. C'est que mon bal n'a pas encore accordé. Et soit allé à ce que mon bal n'a pas accordé. Donc son bon il a billé avec le côté n'a pas peur n'a pas monté. Pourquoi maintenant mon bal n'a pas beaucoup de ça? Importance. Ça va pas la utilité importance pour intérêt n'a rien. Nous sommes tous là. Nous avons l'église, nous avons le côté. Maintenant, nous sommes tous au Louman d'Afrique. Pourquoi? Pour au Louman d'Afrique, nous avons l'Amérique, nous avons le côté. Nous avons le côté. L'église, nous avons le frère. Mais l'Amérique, nous avons le côté. Ce qui est invité, nous avons le soumé, le billet, nous avons le chasse. Mais nous avons le côté. Nous avons le côté. Nous avons le côté. Même pas ça, vous allez à ma cave.
Si vous allez faire 15 000, vous allez faire combien? 15 000. Il faut la peine à moi, c'est pour le dire à moi. L'église, c'est aussi savoir gérer. Gérer les gens, gérer les problèmes. Même si tu peux jouer à l'église, elle est paquée. À quel stade tu es? À quelle musique tu es? L'église, on joue pour y avoir ma vie à partout. À moi, on a l'air de l'église. T'as l'écoute. Les gens ont été joués avec une attache. Il y a moins de talentité. On va aller écouter coller la chemise, c'est ça les boys. Moi, c'est mon bimba, on va aller te. Ndé vous salue, vous salue l'église. Au bimba, vous salue l'église à moi. Mais bon, on est venu coller la chemise à papa, les clientes. Moi, ce n'est qu'un nom. Voilà ce qui détruit les Congolais. Ce qui détruit les Congolais. C'est ce qui fait que les lots. D'autres Congolais commencent à éviter à prier dans l'église à Congolais. Ils préfèrent aller chez les Jamaïcains. Yeah. Pour les ma Congolais foyer, on a terni, on a takawa, on a takawa, on a moussé à combien de centimètres? Ne vous savez où est l'église? Au tout cas, il chasse où est en Amérique, dans ma tombe. Moi, je m'en bats les autres tombes en Amérique. Moi, je m'en bats les autres tombes, moi, c'est à part, moi, je m'en bats les autres tombes en Amérique. J'ai trouvé ça en Amérique. Je suis un pasteur de la diaspora.
Je connais chaque 2-3 semaines, je suis dans l'avion. Je connais votre vie. On dirait de vivre en Abidjan. Oui. Oui. Ils étaient tous des justes devant. Dieu. Ce qu'on les autres, moi, c'est Nayo. Est-ce que vous êtes juste? Moi, c'est Pétou de Moubal. Est-ce que vous êtes juste? Moi, c'est Pétou de Moubal. Nan, la bébé, ça, comme ça, là, dans le monde. Moubal, Pétou de Moubal, entre un gars, Nayo, Nan, la Boumak. Amen. Tout le monde, Nan, la Léo. Nan, ni, à Boumak. Amen. 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 Je n'ai rien senti d'Égypte. C'était terre à terre. Tu veux la prophétie et la révélation. Les deux athées. Quand il y a vie, il y a ma bouche au salon à Dieu. Qu'on appelle le Moutoumoko. Amen. Ce que vous changez dans ma campagne, notre communauté est là aussi de là-bas. Et Dieu va nous bénir. Ton nom est Péming. Exemple, je suis avec vous, Congolais. 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 Est-ce que Dieu nous a appelé à ça? Que Dieu bénisse le Congo. Amen. Et que Dieu bénisse les Congolais de la diaspora. Amen. Appelez nos soldats et puis ça me l'aille. La Bible dit, ils étaient justes, observant d'une manière irréprochable toutes les ordonnances et les commandements du Seigneur. Mais sa femme Élisabeth était stérile, malgré qu'ils craignaient Dieu, qu'ils étaient justes, mais ils avaient un problème. Ils peuvent peut-être se dire, mais toi, tu n'as jamais pu commencer dans la zone de Pourquoi ma campagne? Je vais vous dire quelque chose. Soit que dans la vie chrétienne, la vie à Moutonassé dans vous, ma campagne est sous thé. Dieu cessera d'être Dieu. Ce que dans la vie de ma campagne, nous avons dit que nous allons aller. Dieu est Dieu. C'est parce que nous avons des difficultés. Quand nous l'invoquons, il l'exauce et nous les glorifions. Ce qui m'a difficulté, c'est à te envoyer pour vous donner dans la bête. Ce qui m'a pas cité, mais dans ton corps, nous avons fait la honte. Tu as fait toujours que la vie à moi, qui est toujours mon problème quelque part. C'est pourquoi, quand nous l'avons monté dans la bête, ça je vous dis, parce que nous l'avons fait, nous avons fait la tête, nous avons fait la tête, nous avons fait la. Oui. Les gens ont tous les balles pour nous le cala. Ils ont un bon bébé. Mais tant que c'est bon, il y a bien été. Il peut se conditionner pour la rendre tout. Donc, on a un tombé, 22 heures, on a un tombé, on a un vide. 6 heures, il y a un petit peu de temps, on a un mac, papa, il y a un tapage. Alors, on a un tombé, on a un tombé, on a un tombé. Mais tant que c'est un tombé, on a un tombé, on a un tombé. Vous avez vu la vie en vous, mais vous avez vu la vie. Vous avez vu la. On dit qu'il est en déroute, roi des Judées. Vous avez vu la vie. Vous avez vu la vie. Vous avez vu la vie. Et que la gloire de Dieu rentre dans ta vie. Et que Dieu vous ouvre de nouvelles portes. Et que cette année 2019 soit pour toi une année de réussite, une année de bénédiction et une année de puissance. Si quelqu'un dit Amen, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu ne t'a pas appelé à échouer, mais à te faire un nom. Prie la mère d'être prochainement dans la ville. N'importe où la vie, Moussous. Il faut sortir de la médiocrité. Il faut sortir de ce qui est bas, trop bas. Des histoires banales, des histoires inutiles, de s'occuper de la vie des autres. Au lieu de s'occuper de sa propre vie, savoir ce que tu peux faire demain, après demain, il y a un fagnon qui parle de vie à monde. Maintenant, c'est là, la papa, clarté, la coller, coller. Allez, va coller, coller. Il y a un dîner là-bas. Allez, on a eu. Donnez plus moi, j'ai l'air. Non, on a eu, moi, c'est là, on parle. Bon, pas que mes rannons autres là. T'es là, pas que mes rannons autres là. Qu'on est pour te rannons. Admettons que je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps.
Ce n'est pas une vie, ça. Ça bloque et freine la vie à mal. Les temps, on nous offre comme besoin de prier. Seigneur, pas en plein de connaître. Ne me pas dire cela, maman Louise. Nous pouvons faire des kimiens. Ils ont quota. Ils ont changé. Ils ont été capables de faire des choses. Bien sûr, ils ont été changés. Ils étaient stériles. Parce qu'ils n'ont pas été. Pourquoi ils ont été? Mais malgré les choses, ils ont été empêchés de se faire. Pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions, malgré que papa ils ont été, ils ont été ensemble. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui croit que parce que tu es venu en Amérique, et que tu n'as plus besoin de Dieu, tu te trompes. Parce qu'en Amérique, on a mangé des soupes, on a mangé la terre. On a mangé la terre. Et ça n'a pas de problème à l'abeille. Mais qui cherchait à voir qui était Jésus? Ils vont dire quoi? Des riches, mais qui cherchaient à voir qui était Jésus. Jésus est au-dessus de l'argent. Jésus est au-dessus de l'hamburger et de la terre. C'est pas ça. Tout le monde va milliarder. Parce que ça me les amène. Parce que maintenant, ma diète, parce qu'il y a une église. Ah. Ma soeur, pour ce qui est tout Tonde, pourquoi mille lèvres ne va passer devant le matin, mon tout à mon père, second end. Tonde, oh non, vous êtes atteint à Sidi. Y'a mieux mon père, papa. Oh non. Oh. Pourquoi mille lèvres? Ce matin, y'a la bise. Bise, y'a mouille américaine. On peut s'amener dans la maison, on peut s'amener dans la maison. Parce que, il y a des gens dans cette ville, pour y'a mon Amérique, tu faisais des gènes. Ça peut être le moulin de la vie, mon beau. Faut que ça ne s'appelle pas en Amérique, mon frère. On a besoin de Dieu. Dimanche, quelle que soit ta occupation, il faut aller à l'église. Il faut venir écouter la parole de Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Dieu a aussi besoin de ça. Quand Dieu verra ça, il va encore continuer à nous bénir. Attends, ça va pas pour la vie d'ailleurs. Que Dieu soit pour ceux qui le font. Si on a dit busy, pour ça, mais les amis, busy dans la soukate. Mais Dieu, il a aussi besoin de nous voir dans sa présence. De vous faire dire, vous êtes comme un homme, ça fait du bien au Seigneur. Peu ça va vous parler. Ça va pas vous le mot. Amen. Amen. Ça va vous faire joie. Ça va vous faire condamner. Parce qu'il s'acquittait de ses fonctions, selon les tours de sa classe. Pendant qu'il brûlait le parfum, n'a ôté, et toute la multitude était dehors à prier. Les gens ont besoin de la prière. Les gens ont besoin de chercher Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Pendant que Zacharie brûlait le parfum, la Bible dit un ange du Seigneur apparut. Et c'était à la droite de l'autel. Zacharie envoya l'ange, son mécanique, et n'a koufi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Pour lui, parce qu'il a vu l'ange du Seigneur, c'est qu'il va mourir. L'ange lui dira, ne crains pas. Et le mamabé, pourquoi me l'ayoté? D'ailleurs, je suis porteur d'un message. Je suis venu pour te bénir. Zacharie, ta prière a été.
et les prières. Je veux vous dire quelque chose. Il y a des prières que tu as faites depuis 90, depuis 2003. Peut-être ces prières-là, Dieu est en train de les exaucer aujourd'hui. Bien, nous sommes en amour. Dans ce temps, prière au salaire, il y a 10 ans. Qui sait ma prière sur le salaire et vous fumerez ma porte dans 5 ans? On doit diminuer la prière pourquoi? On doit dire la prière pourquoi? On doit qu'il m'église pour les gens. On dit que ce qu'on s'en était pourquoi? On doit qu'on a fait ce qu'on a fait. On doit qu'on a fait ce qu'on a fait. On doit qu'on a fait ce qu'on a fait. On doit qu'on a fait ce qu'on a fait. On doit qu'on a fait ce qu'on a fait. Ça va? Comment ça va? On peut se voir quand? Déjà, nous savons. Lire le temps dans ta Bible pour méditer. Tu as un peu de vie en tout. Ta prière a été. Quand on dit a été, c'est le présent ou le passé? Vous parlez français, n'est-ce pas? C'est le présent ou le passé? Le passé a été. C'est le passé. C'est qu'il ne s'agissait pas de la prière de ces jours-là, non. Des anciennes prières. Dis que ma prière est sous son salaire, il y a 16 ans, il y a un abonné. Dis que ma prière est sous son salaire, il y a 5 ans, il y a un abonné en 2019. C'est pourquoi continue à prier. La prière, c'est une semence. Une semence. Un jour, ça poussera, mon frère. Un jour, ça poussera. Les promesses que Dieu t'avait faites, un jour, on peut vivre à Yango. On peut mener l'eau, les confoucoirs. On s'occupe de la compte de 2 millions de dollars, enfin, c'est possible. Amen. 2 millions, 1 milliard, 1 milliard. Vous avez 1 milliard, vous avez 3 milliards. On te l'a mis, on s'en met même. On a Dallas. Amen. Il y a 15 niveaux. Je dis ma mère a bien été. Au moins, nous avons prié, ça a monté ma foi. Nous prions un Dieu qui est qui bénit, un Dieu qui élève. Nous avons la vie sur la tombe, la paix, à la bataille, à la sé, à la commission de l'air. Ce qu'on dit, amen, à Dieu, nous avons besoin de l'air. Après, ce qu'on dit, amen, à ma fouta. Après, on peut me parler de l'air. Après, on peut me contrer à bien. On me dit, la vie de vos hommes, mon frère, ma soeur, on me dit, mon pote, va dire, mon gars, mon gars, les amours et l'opportunité. Tu vas le mettre au nom du Solomon qui est là. Où est-ce que tu as dit? Où est-ce que tu as dit? Où est-ce que tu as dit? Ah. A éviter qu'il y ait en Amérique. A été une gêne à l'échasse. Où est-ce que tu as dit? Avance, papa. Tu vas mettre le Solomon qui est au conseil. Tu ne peux pas te faire. Les amours et l'opportunité. Tu ne peux pas être comme sous. A beauté. Tu ne peux pas être comme ça. Azo kufa atikela mumbo. Hatu sugu kama sura. Musa atikeli leta. Musa lebete na baofini. Le Dieu que je prêche ce matin. A kosa ni kukute na koko ya kuya tena musa na nabi. Musa ni kama kwenye sas. Muni kama kwenye la begio. Nata kana 3 million de dollar. Na muni wile na atikela mumbo. Na atikela yu. Obongite obongite. Yonka nseke po obongi. Fuka kwa sala musa na matemi jiswa. Dieu a plusieurs façons et on parle de l'amour. Mais pour mes amis, nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. Tout comme qui m'en zame, mon frère. Plus aujourd'hui qui m'en zame, bénédiction et s'éloigner de Dieu. Pour que vous vivez ma kawamike, ne pensez pas que moi, salaire, on a un dessous à la vie. D'ailleurs, soyez évité. Salaire, on a un dessous à la vie. Parce que c'est déjà quelqu'un qui me parle, mon tonneau, ça. Avec que ce que vous avez dit, fait du moins, n'a pas dit, ne soit pas. Ce n'est pas un problème. Mais pour Bonga, il faut nous avoir créé un zéro. Et c'est possible avec Dieu. Nous avons télé qui est corbo. Et bien, nous avons laissé Elie, matin, midi, soir. Il n'a pas encore démissionné. À cause de cité corbo, au côté de la vie, il n'y a pas de Bonga. Alléluia. Pour finir, nous avons un cerveau pour l'église. Alléluia. Abutani na mundele mwoko na vile pana biso na bishasa. Sera za na 35 ans. Mundele za na 69 ans. Mundele ni kabala yi. Yo koko seyini. 69 ans to ni kokoti. We you know. Oko konseye nini. Abale pati. La andeli solo. Mundele azal ki na ba bien bele.
papa n'a pas tiré la richesse. T'as la bambou. Mon délire a saigné. Je préfère la vie de la balle. Mon délire pas mon tête. Tout ça, le mariage. Ce qui est un coup fille, on dirait que la balle bien en bas. C'est la gâte de ma camarade en aïe. Pourquoi mon bambou n'est pas là? Hé, il y a un coup qui n'a pas le coucou. Il y a tout le monde qui dit balayé. On dit coco, balayé. Souligne-moi. À moins que vous ne soyez pas là, vous ne soyez pas là. Maman, vous avez trouvé la rabino. À quoi pas vous avez dit? Vous savez qui est combattu? Balayé qui est né. Pourquoi? Trois ans après, vous. Famille de vous quitter. Notre famille de vous quitter. C'est possible avec Dieu. Sabela, tout ça, au nom de Jésus.
vraiment que Dieu t'assiste, qu'il te bénisse, qu'il te tienne dans ta vie. Sans même s'il te plaît, fais la salle à l'Oba. Il est le Dieu des générations, il est le Dieu des temps et des époques. Il est le Dieu qui agit selon les temps. Il vous agit, il vous est manifesté sa gloire dans la famille. Dans ta vie, que le feu de Dieu détruise tous les antivaleurs. Vous savez, les antivaleurs, c'est quoi? Et puis, ma comportement, mon sou. Et si ma naïote, t'as un niveau naïo, niveau de jouer la naïo, pas de ton cas, vous avez le ballon. Ça garde, oh, ça garde, ça garde. Ce sont des antivaleurs. Ça peut vous empêcher de vivre les opportunités. Moi, tu es quitté, détruit tous les antivaleurs. C'est ce qui ne vous honore pas. Ma négligence me souche. Et puis, ma quête, ton sang est dans le puissant de Dieu. Un Dieu qui répond, un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre. C'est pourquoi, rappelez-vous, un jour les enfants d'Israël, ils ont fait pression à Aaron pour lui dire, lorsque ils étaient allés traîner à la montagne, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche au milieu de nous. Nous voulons un Dieu qui bouge, qui marche. Car c'est Moïse là, depuis qu'il est parti, nous savons ce qu'il est devenu. Nous voulons un Dieu qui marche. Bien-aimé, tu as besoin d'un Dieu qui bouge. Amen. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui marche. Un Dieu qui parle. Il a dit à Moïse en Exode 3.
J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les car je connais ses douleurs. Un Dieu qui écoute aussi quand tu cries. Quand tu pries, il répond, il réagit. C'est pourquoi vous allez prier. Demande à ce que la réponse de Dieu vienne aussi dans ta vie. Que la grâce soit permanente. Que la main de Dieu te soutienne. Qu'elle t'accompagne dans tout ce que tu fais cette année. Prions au nom de Jésus. Seigneur, accompagne-moi par ta gloire. Accompagne-moi par ta main puissante. Manifeste ta gloire dans ma vie, Seigneur. Que cette année, oh Dieu, Jésus me réveille et Dieu transforme ma vie. Je vais trouver que vous avez changé de calendrier. Le calendrier de 2018 est parti. Il y a maintenant 2000. On n'est pas appelé seulement à changer les chiffres, mais il faut que la vie aussi change. On va demander à Dieu, 2019 ne va pas être égal à 2018. Certains vents que j'avais en 2018, je voudrais qu'en 2019 ça change. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu? Même Jésus-Christ, il connaît l'importance des années. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la demande de l'Esprit. À la fin, il dit, proclamer une nouvelle année de la grâce du Seigneur. 2019, c'est une nouvelle année, oui ou non? Mais il faut que cette nouvelle année soit une année de la grâce du Seigneur. Quand on dit proclamer une nouvelle année, c'est pas la cour à l'ancienne. Laisse que 2018 puisse partir avec ses mauvais souvenirs. Que 2019 soit une nouvelle année. Une année de la grâce du Seigneur pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta santé même. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens proclamer au devant de son peuple une nouvelle année. Une année de la grâce, une année de bénédiction, une année d'excellence, une année d'élévation, Seigneur. Patina
offrande ordinaire. Oyo me mêle à nous. Et le roi de Mananda. Et le roi de la prière. A qui? Prière. Elle est bosse. Femme battue. Tous les femmes le pour l'offrande. Tant de personnes. Je recommande la semence, l'offrande de chacun de ton peuple. Entre toi, mes seigneurs, laisse qu'à travers ce geste, tu arrives à bénir ses activités, que tu bénisses ses entreprises, que tu bénisses sa vie, et que la grâce de Dieu t'accompagne toute cette année. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On a dit que les offrandes, c'est ici, la dîme de l'autre côté. Venez avec votre offrande et votre dîme, je vais prier pour vous. Une offrande, hein? Tiens, panier, tu sens bien mieux. Il me coûte. Agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galilée. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, qui a dans sa Bible le verset de, au lieu de dire le premier jour de la semaine, on a parlé de dimanche. Regardez la votre Bible.
vous tous ces services, vous. Si vous lisez dans la Bible du sommet, ou bien le français courant, au lieu de parler de le premier jour de la semaine, on a dit chaque dimanche. Amen. Amen. On dit chaque dimanche. Que chacun de vous, ou le premier jour de la semaine, c'est la même chose. Chaque dimanche ou le premier jour de la semaine, continuez. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part. Quand on dit que chacun de vous, c'est quel temps? C'est de l'impératif, subjonctif ou en grammaire? Que chacun, c'est l'ordre, non? Ouais. C'est de l'impératif, mais aussi subjonctif. C'est de l'impératif. Eh, on se sent ça beau, c'est en anglais. C'est de l'impératif, ça dit un ordre. Que chacun de vous, chaque dimanche, toqué papa, mets à part chez lui un bébé ou ta mélange. Chez lui, ce qu'il pourra selon la prospérité. On dit, il nous sommes d'argent selon sa prospérité, selon ce qu'il aurait gagné toute la semaine. Cette église, papa JP, en dehors des offrandes, il le dit dimanche, chaque dimanche. Depuis la maison, il faut montrer que tu as appelé mon beau bébé avec mon pour la collecte. Dimanche, tu as appelé collecte à l'église. Pour les besoins de l'œuvre. L'église n'est pas un jour de quoi il n'y a pas de paix. Tu vas dire, soit à temps, et veut passer comme on a eu. Il faut passer par le bébé, il faut passer par le bébé, il faut aller, tout loger. Mais s'il y a une caisse de faire besoin. C'était beaucoup. Il ne faut pas que ça va causer la patronne, mais la patronne, c'est la SMS. Je voudrais que culture le pays côte en apathie. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Tout le monde, est-ce qu'on a collecté? Ça ne va pas, le papa, il va venir. Tout le est-ce qu'on a collecté? Collecte, c'est-à-dire, on détermine, dans la couche, selon les moyens, on dit selon ce qu'il aurait lui-même gagné, selon la prospérité, selon vos yeux à vous. Donc, c'est selon vos yeux à l'aïe. Qu'on n'a pas pour le mot. Je vais prier pour ceux qui vont faire la contribution aujourd'hui avec leurs collègues. Que Dieu pourvoie à leur père. Seigneur, je te recommande cette église. Oui, l'église peut commencer de n'importe quelle façon, mais plus elle évolue. Tu es un Dieu qui est en train de tailler et de donner une forme. Bénis cette église, bénis son peuple, bénis chacun de son peuple qui sera animé de bonne volonté, qui acceptera de soutenir cette vision, qui donnera sa collègue, bénis sa vie, sa famille, son avenir, et que la bénédiction de Dieu soit son partage. Au nom de Jésus, amen. 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 Ça va pas pour le bout de mot. Nous avons contribué à 100 dollars à des assises de la cité. Oui, nous sommes bénis. 100 dollars collecte. Papa, tout le monde, pasteur, il y a plein. Nena na yawa. Voici le maya TI na ACKO. Papa, il y a un soni, nena na busilisa. Pour être à la kéna ma papa. Au moment de ce qu'on a dit, tout le monde a bonzé, nous sommes. Papa, nous sommes allés, nous sommes. N'a pas voulu l'église, tout le monde a l'église. Et puis, il y a un peu de papa, il y a un peu de papa. Le roi, il y a un peu de papa. Il faut même offrir de lui, continuer, mon ami, il y a un peu de papa. Il y a un peu de papa. Si vous ne payez pas, vous avez un bon lit. Vous n'avez pas un bon lit. Vous avez toujours ça. Vous avez un bon lit. 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 Babouka, 50 dollars pour ça. 50.
50. Thank you.
qui font de la paix, nous voient qu'on soit. Ton vrai salut, ton malade, que tu sois le chef de ta vie. Adieu, c'est pour la tournée qui nous scrape, pas plus que nous, on a déjà fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a fini. Nous allons accueillir le visiteur. Si c'est votre première fois de venir dans cette église, veuillez vous lever. Et si c'est l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, c'est quand? Si vous êtes là pour la première fois, que vous soyez pasteur, veuillez vous mettre debout. Comme ça, vous vous présentez, on va vite, vite, pour terminer notre culte. Rapidement, si c'est votre première fois, pas deuxième fois, veuillez vous mettre debout, ma soeur, mon frère. Peut-être que vous n'avez pas vu le nom. Ici, nous sommes à la SECA, ensemble, qui signifie Assemblée chrétienne de Kinshasa. Celui qui est là, le commandant du temple, c'est mon père spirituel. Peut-être il y a des gens qui se posent la question, quel est ton père spirituel? Il y a ceux-là qui nient le père spirituel, mais le pasteur François Mutombo, c'est mon père spirituel. C'est grâce à son Dieu que nous sommes ici pour servir Dieu. Amen. 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 Il est le père de plusieurs en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Il y a plus de 4 ensemble, 5.
de la Seca. Nous allons ouvrir d'autres encore. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Yeah. Je voulais que vous sachiez que vous êtes à la Seca, mais qu'il n'y a pas de nom. Dieu va nous bénir avec notre enfant. Nous allons écrire dehors et aussi décorer à l'intérieur. Amen, Église. Bien aimé, je vais vous présenter. Bade Alléluia. Amen. Où tu vas, Pi? Na bengani na kopo ya frère Abdul na uti ya Atlanta na yakina pasteur Nangai pasteur Denis que Dieu te bénisse. Acclamons bien aimé votre aimé. Moi c'est Gilles Vomana. Je suis serviteur de Dieu dans le ministère de Dieu. Tout uti ya Atlanta toye na papa Denis et le mon pasteur que Dieu te bénisse bien aimé. Rapidement. Ok, merci. Serviteur de Dieu, Gilles Pokaola. Tu es à Atlanta. Tu es qui est pasteur Denis Mopa, à la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen, Église. Amen. Moi, c'est le frère Hugo Kambou. Je reste ici. Je prie quelque part. Je suis venu pour participer à la prière d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Moi, c'est Josué. Je suis grand frère. Et voilà, j'ai dit juste pour prier. Que Dieu te bénisse bien, amen, rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous sommes les après-midi, allez-y. C'est la soeur Dorcas. Je suis ici maintenant parce que je viens d'Afrique du Sud. Tu viens de l'Afrique ici? Tu pries où? Où ça? Tu pries dans quelle église? Ici? Yeah. C'est la première fois. Ok, que Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Monsieur Patou. Mm-hmm. Je viens aussi de l'Afrique du Sud. Dans le cas, c'est ma fille elle. Oh. Je viens de rejoindre ma famille. C'est presque deux semaines. Ma femme est là et d'autres. Oh. Que Dieu vous bénisse. Rapidement. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est le frère Arnold. Je vis ici. Je prie quelque part. Je suis invité de la sœur Patricia. C'est la sœur Patricia qui m'a invité. Que Dieu te bénisse. Comme on a Hermès dit ça, Azali Mondimi a Kalembelembe. On a dit les enfants de Vassilom. Les amis, je ne sais pas si on a dit que c'est l'église à Kalembelembe. Dans un an, on a une année et demie. Nous avons mis un pasteur. On a un bétel, si vous n'avez pas la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour nos visiteurs bien-aimés. Oh oui. Amen. Amen. Ça va pas pour la vie, non? Na sepeli makasi mkola lelo. Amen. Nathalie distance T. Mais na moni ne papa na ngai. Amen. 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 Eza lelo ko moko yo ayebisa. Na kat biso na kat réunion. Albelo ko moko boy. O moni na musala nzambe. Biso so ko ko sala basala nzambe. Mais soko moni moni nga za ko avancer. Zala na stratégie. Ce que la stratégie, c'est que tu as une stratégie. Amen. Tu as une stratégie. Amen. Na kanga une stratégie. Tu as 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 une dans les hommes de Sikati, dans les hommes de Kanara. Amen. Pasteur Denis Mwamba, Ngala Moulomé. Que Dieu vous bénisse. Aseka Atlanta. Amen. Merci pour votre présentation. Nani Azana témoignage, Koyoka Sonite. C'est un moment très capital. Koyoka Sonite, supposant un témoignage. Ce que nous avons salé le nom, tout en abat, tout en ensemble, à Bango, il y a des électeurs qui ont besoin de nous. Il faut que nous nous encourageons. Amen.
Avec sa fille. Papa veut mettre pour voir, c'est très capital. Il vient de l'Afrique d'ici. Nous avons prié, on continue à prier avec la maman. J'ai encouragé toujours la maman de continuer, de persévérer dans la prière. Donc, ce n'est pas la persévérance de cette maman et la foi qu'elle a. Je le disais toujours, il faut avoir la maîtrise. Mon mari sera là. Oh, on a dit à l'ambassade. Et sans compliquer, je lui ai dit, nous allons continuer à percer. Amen. Un chrétien, c'est celui qui perce avec la vie de prière. Aujourd'hui, voilà les fruits. Son mari est là avec sa fille. Ils sont maintenant ensemble. Acclamons pour les rois des rois. Totelemi, pour clôturer prière. Bisous. Si vous avez besoin de mon papa, tout ce que vous avez besoin de la bureau, c'est quelque part. Je ne sais pas si sera disponible sur place ou bien tout la bureau. Yeah. Donc, puisqu'il y a des gens qui vont aller au travail. Donc, il a accepté, il va recevoir un après l'autre. Vous avez un cas qui a duré un problème, faites parler avec le commandant de Tam. Il est là. Tout ce que vous avez besoin de vous, tout ce que papa, pour à clôturer la prière. Aux années amenées, Soko Sangisiba, elle a toujours la dîme. Même pour Sangane, la vie sur les lots, elle a toujours la dîme. Merci pour la news, tout le monde qui passe. Ces jours, il y a un amour et une bénédiction. Vous allez zambo pour la bamba porte. Bamba c'est bien malgré l'Amérique. C'est là qu'il est écrit Isaac s'aima cette année-là dans le pays des Philistins et il récolta le centuple. Seigneur, qu'il puisse s'aimer dans cette terre de l'Amérique et qu'il puisse recueillir le centuple parce que tu es un Dieu qui bénit. Qu'il réussisse. Que toutes les portes les soient ouvertes. Que là où il y avait barrière, que le miracle s'écroule au nom de Jésus. Accorde la solution à ton peuple. Bénis chacun de ton peuple. Bénis cette église. Bénis Pasteur Mikael, sa femme et tous les enfants. Bénis tous les ouvriers de cette église. Selon qu'il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, que cette église puisse s'établir, qu'elle puisse grandir et prendre des dimensions. Et que prochainement, quand nous allons encore être de passage dans cette ville, nous allons trouver l'Église, Seigneur, en train de prendre des dimensions. Nous te serons toujours reconnaissants. Bénis tout le monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pensa Ndekwaza Pemine Nayo Bote. Que Dieu te bénisse.